Salut, c'est Maillard. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau jeu sur lequel je lorgnais depuis quelque temps, qui est Blackout Club. Blackout Club est sorti cet été et parle de petits bambins qui se réveillent la nuit, qui font partie d'un club très mystérieux parce qu'ils découvrent que dans leur ville, des forces maléfiques sont à l'œuvre. C'est un jeu coopératif, c'est un jeu que j'ai pris plaisir à découvrir autant au niveau du gameplay qu'au niveau du lore. C'est pas impossible qu'on fasse des épisodes supplémentaires en bonne compagnie car il se joue à 4. Ce n'est pas asymétrique comme Dead by Daylight. C'est contre l'IA principalement. C'est presque que de l'infiltration. Et c'est vraiment trop cool. Je vous laisse découvrir ça et je vous dis à très vite. Et ça enregistre, je crois. Hein. Salut. Vous qui écoutez. C'est Bells. Isabella, si vous avez fait un peu de recherche, vous avez probablement que je vis dans la zone de Silence Radio. Vous n'avez pas de signal cellulaire ici, pas d'internet, rien. Alors personne ne sait ce qui se passe. La nuit, notre ville, elle change. On se réveille dans les bois ou sur des voies ferrées sans même savoir comment on est arrivé là. Si on raconte ça à des adultes, ils rigolent simplement. Et la plupart des ados ici, eh bien c'est des lâches. Ok. So last night, I set up a hidden camera and I finally got proof. Stuff the world needs to see. Mais la nuit dernière, j'ai placé une caméra cachée. J'ai enfin la preuve. C'est un truc que le monde entier doit connaître. La vidéo est sur cette clé USB. Demain, je vais prendre la voiture de maman et aller assez loin pour la mettre en ligne et vous montrer. Quand vous verrez ceci, venez à Redacre. Aidez-nous. S'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce que c'est? Wow. Ok, il faut prendre le téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans ma chambre. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que c'est que ce jouet? Hop là. L'ambiance est extraordinaire. L'ambiance est folle. Vous vous rendez compte, l'ambiance est complètement folle. Non seulement c'est beau, mais l'ambiance est incroyable. C'est solo au début, le prologue, sachant que derrière, ça se joue à plusieurs. Le téléphone est là. Photo de chat. C'est pas la vraie vie, hein. Local okay. Only, fantastic. Like I want to call anyone in this town. Ah non. Ok. J'ai pas de. Il est où mon téléphone? Je peux pas le consulter. Ah bah non, je peux appeler personne de toute façon. C'est le bug. Bonsoir Miss. Mais quelle chambre de 50 mètres carrés, hein? Parole de parisien. Éteindre la chambre. Qu'est-ce qui se passe ici? Là par contre, ouais, on peut dire sur les maisons. Oh, l'ambiance est incroyable. Salle d'eau, on visite. Incroyable. La maison, c'est le bureau du joueur du grenier. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Cinéma du prisonnier. Le cinéma du prisonnier est un phénomène décrit par des prisonniers, confinés dans des cellules sombres ou par d'autres personnes laissées dans l'obscurité, volontairement ou pas pendant des périodes de temps prolongées. Des conducteurs de camions, des pilotes, des pratiquants intensifs de méditation disent l'avoir vécu. Des astronautes, d'autres personnes ayant été exposées à certains types de radiation disent également avoir vécu un phénomène similaire. Le cinéma consiste en un spectacle lumineux fait de différentes couleurs. Très bien. Les scientifiques pensent que c'est le résultat de phénomènes, de phosphènes, pardon, combinés aux effets psychologiques de se trouver pendant longtemps dans l'obscurité.
D'autres ont remarqué qu'un lien entre les formes prises par les lumières et celles des peintures néolithiques. Ok, néolithique, toi-même, on a dit pas les mamans. Qu'est-ce qu'on trouve? L'autre bureau? Non, la maison. Apparemment la chambre du joueur du grenier. Minuit 5, c'est ça? Ça peut pas être midi. Non. À mon avis, le réveil est bloqué. Ok. Vous le sentez, le coup du... Je suis poursuivi et je me mets ici. Vous sentez ou pas? Qu'est-ce qu'on a là? Le jeu est en ultra, là. Pourtant, fais un moment. C'est très bête, mais c'est trop cool. And who could this be? Grounded. Sorry, I can't talk on the phone. Isabella, it's us. We called to tell you. Yeah, she talks to us. We called to tell you we're going to be home late. Why should I care? I'm in jail. Time is meaningless. And whose fault is that? It wasn't trespassing. Mom works up there, despite the fact that they're obvious aliens. Oh yes, and my alien masters are telling me to order another drink. Waiter! You're lucky she didn't get fired for what you did. What? Just go to... You guys are breaking up. Breaking up? That's... Qu'est-ce que c'est? Mother and I are fine. Yeah. You are the only one. But not for long. You're about to meet someone as special as you are. Just close your eyes. And you'll see. Sure. Just drink up, come home, and hide the car keys in the same place as always. Ok. C'est pas du tout flippant. Prenez-vous dans les bras les uns les autres. Ok. Non, il faut que je ferme les yeux devant la télé, donc il faut que j'aille voir la télé. Là, c'est la cuisine. C'est superbe. Quelqu'un doit faire la vaisselle quand même. Oh mon dieu, c'est tellement pas flippant du tout! Ok. Oh! Au secours! Non, tout l'angle de la caméra est modifié. Moi j'ai une phobie. J'aime pas quand les robinets sont... Waouh. Incroyable. La télé qui est dans niveau inférieur. Je vous jure, ça fait super bizarre. Rien. Ok, ils viennent pour nous. Faut fermer les yeux. Faut se réveiller. Oh non, tu as... Oh. Est-ce que... Non, j'ai pas eu le temps de tout lire. Non, non. Ok. Très bien. Tu as besoin de moi. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fermé les yeux, il y a ceci. Ok. Merci papy Yolo. Merci beaucoup. Très très grand merci à toi. Nourris-moi. Ok.
Merci, Papiolo. Qui rend la vie agréable à Joris, Gilma Power, Darmania, Paboys et Dave. Merci infiniment. La prochaine fois, ce que je ferai, c'est que je changerai le son des gifs pour que ça colle un peu plus à l'ambiance. Qu'est-ce que vous en pensez? Et non, robot? Non, moi je veux juste me mettre ici. C'est du solo pour la version prologue. Photo de moi. Ok. Très bien. Soirée ambiance. Ça marche. Je me sens pas bien. Ton esprit n'est pas le tien. Il est volé dans ton sommeil, mais ton corps s'en souvient. Ok. Comme dans la vie... Qu'est-ce qui se passe? Comme dans la vraie vie. Ils ont tant déchiré, il y a tant à refaire. Le corps sait ce qui a été pris. Entends bien à présent reprendre. Ok. On rejoint pas le club, on continue. Merci beaucoup. Ce sera que le barbareux. Pour les 27 mois de soutien. Oh, merci beaucoup. Ils savent que tu les as vus. Ça va venir te chercher. Tu fais constamment debout. Appuie sur B pour vous accroupir.
Réveillez-vous, réveillez-vous. Le soleil monte ou descend ? Mais nom de Dieu ! Alors ça va évidemment, je n'ai pas peur. Est-ce qu'il y a un truc dehors ? Qu'est-ce qu'il y a dehors ? Ça, on avait une nouvelle décoration. Oui, j'ai vu ça. Ça ne bouge pas. Oh ! Mais ! Réveille-toi, debout, debout, réveille-toi, réveille-toi, debout, 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 debout. Another blackout. Did I even record? Okay. Fermez les yeux pour voir la forme. J'ai ma manette qui vibre. Ok. C'est moi ou c'est... Oh, cul de sac. Ok. Baby, I can't hear you. Speak up, okay? Someone's in the... Ah! No, 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 no. Elle est sous terre, suivez les traces au sol. Ok, oh, qu'est-ce que c'est que ça, nom de Dieu. Ok, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je découvre? Mais mon Dieu. Chaque nuit différent. Ok. Où est-ce que je débarquais là? Où est-ce que j'ai débarqué? Qu'est-ce que c'est que ça? I think it's... Is it gone? Ok, il y a quelqu'un?
Ils jouent avec ton esprit et font mentir tes yeux. Ferme-les pour voir notre piste. Oh non. 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 Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Quelqu'un peut me voir ici? Être visible. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Les traces. Les traces continuent. Nom de Dieu. My house? They're recording me. Enregistre, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Tout ça sous ma maison. Attention à pas aller ailleurs que là où on doit se rendre. Nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh non. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça? Du sang ou c'est les parois? Ce sont les parois? Déplacement sur l'échelle. Ok, fixe. Très bien. Position fixe, faire l'avant, vers le haut. On va faire le fixe. Ok, Mr. What's in my head? We need to talk. I'm guessing that. Super fun, not at all traumatizing. Oh, blackout okay, dream means you're still here. J'imagine qu'il arrive de passer 6 mois, pas du tout traumatisant. And you need me to think aloud, right? I hope whispering counts. C'est Ninja. Here goes. Mon Dieu. First, thanks for saying. Alors, si vous devez noter le côté rassurant du truc. Qu'est-ce que c'est que cet endroit de malheur? Qu'est-ce que c'est que... Je veux dire, je suis comme possédé. Je sais que quand j'ai un blackout, soudain tu prends le volant. Qu'est-ce que c'est? Oh, je vous jure, c'est tellement... Merci, c'est Philou. Merci beaucoup. How far down does this go? Dire un petit côté Silent Hill. Il y a une physique, regardez, quand on passe à côté des câbles. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Un dormeur, c'est ça, c'est aveugle, mais ça peut pas m'entendre. Ok. Les portes sont verrouillées. Qu'est-ce que c'est? Ces murs sont faits en quoi?
tes yeux. Regarde si tu as encore des indices. Dans tes yeux. Je pose un million de questions, mais laisse-moi tout cracher. Peut-être que t'as hors de ça, mais si c'est le cas, à qui elle parle, nom de Dieu? Mais où est-ce qu'il est? Passé dans la porte, mais... Oh. Nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Cet endroit de malheur. Are you even real? Or do I just have new... Tu es seulement réel? De nouveau. Est-ce possible de te rendre toi-même dingue? Qu'est-ce que c'est que ça? Nom de Dieu. Tout va bien, doublement de personnalité. Oui, c'est ça, c'est qu'il semblerait qu'il y ait quelque chose qui contrôle. Qu'est-ce que c'est? Il te faut la carte pour y accéder, suis les pas. Ok. Oh, mais non. Pas trop glisser, j'ai peur de tomber. On va y aller doucement. Doucement. Pas trop. Vraiment, c'est... Oh ! Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ok. Est-ce qu'on va me remarquer ? Je ne sais pas. Non. Les pas continuent. Je t'ai laissé quelque chose. Comment as-tu descendu là? Attends, est-ce que ça veut dire que je me suis déjà trouvé là? Dans me... Oh. Aucun incident. Merde, on dirait mon... Andy Chaton. Ok. Point crochet. Faut y aller discrètement. Qu'est-ce qu'il fait, nom de Dieu? Le dormeur. Prenez bien soin de maintenir la commande, ne pas lâcher prise aussi trop tôt. Était au sol. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est cette porte? Oh non! Les ciseaux, hein. Bon, les ciseaux, ce sont des crochets. Hein. Bon. Très bien. Alors. Je suis blessé. Le dormeur a vraisemblablement tenté de m'agripper. Il faudrait que je ferme la porte derrière moi pour éviter qu'il revienne. Je n'avais pas remarqué les ciseaux au sol. Sure tu veux que je peux escalader quelque chose? Dad still calls me Spider Monkey. Ok. Ouais, j'ai grimpé. Ok, un petit côté platformer. Sans déconner. Waouh! Mais.
Très bien, je peux peut-être passer en face. Est-ce qu'on a encore des traces de pas qui reprennent par ici? Faut poursuivre. Ok. Non, j'ai peur de glisser, de tomber ici. C'est peut-être en face qu'il faut que j'aille. Voilà, c'est ça. Petit entraînement d'escalade. Je crains que si je tombe de bien trop haut, je me fasse remarquer. Enfin, du moins que je me fasse blesser. Il faut entrer un code, je ne l'ai pas. Il faut probablement grimper par là. Ok. Parfait. C'est lui, elle. On a les traces qui sont là. Ok, très bien. Pour toi. Léchette tranquillisante. Une grenade à mousse, ouvrir. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Vous servir pour amortir les chutes. Ok. Alors. Vise un endroit. Et j'ai évidemment utilisé la grenade à mousse sur le rebord pour éviter que je me fasse mal. C'est une excellente idée. Ça a très bien marché. Très très bon système de hitbox. Je crois que j'ai mal au pied. Aïe 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 aïe. Je crois que je boite. Mais ce n'est pas grâce à vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Mais... qu'est-ce qu'elle fait? Cotton. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez prendre... ok. Ok. Pour savoir ce qui se passe ici. Nom de Dieu. Prenez des images des objets qui constituent les preuves. Ils sont mis en surveillance. Vous pouvez prendre des images de preuves avec... très bien. On va faire ça. Je vais enregistrer. Ah, très bien. J'ai enregistré le code. Il était où? Là, hein. Ouais, d'accord. Le code, c'est 1138. C'est marrant ce décalage qu'il y a avec... Oh de Dieu, quoi. Une sorte de réunion de secte. Pourquoi tu fais de la musique qui fait peur? Qu'est-ce que c'est que ça? Cette tâche huileuse. Manga. Ok. Faut poursuivre. THX 1138. C'est ça. Vous avez pris... vous avez pris note. Ok. Alors, je
sensibilité est fofolle. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Mais non! Ça sur le compte de la peur. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Bruit généré. Certaines surfaces sont moins discrètes que d'autres. Non, mais même la texture s'y met! Ok, c'est ça qui fait du bruit. Vous entendez le son spatialisé? Le son à droite et à gauche. Mais ils entendent très bien. Ils sont aveugles. Quand je me sens pas bien, je parle avec un petit accent du sud. Je suis resté sur le tapis. Mais parce que je me suis dit que... qu'en ne bougeant pas, il allait passer à côté de moi. Et que ça allait pas faire de bruit. Lucide, plus loin, peut voir. Restez en dehors de la lumière pour qu'il ne puisse pas vous voir. L'œil en bas de l'écran devient blanc quand vous êtes dans la lumière. Je suis complètement d'accord, Benjamin. Je vais installer ça pour la prochaine fois. Hein. C'est la carte de sécurité. Je dis la carte de sécurité, pourquoi? Pourquoi dans les yeux? Pourquoi? Ah, là-bas, c'est bon, j'ai vu, là-bas. Ok. Je vais prendre la carte sans étrangler. Il y avait un crochet par terre? Il est où? Il me semble. Mais dis pas il me semble! Non mais sans déconner!
Et là, tu vas me dire, oh ben non, il n'y avait pas de crochet. Non, mais... de marcher sur ceci. Ok. Pas le kill. Non, à moins d'avoir un matos spécifique. Là, on fait plus de bruit. Faut y aller à petit patoun. Sur le tapis, on fait moins de bruit. Il y avait du café à côté du synthé. Oh bah, j'y vais. J'y vais. C'est là, d'accord. Est-ce que ça fait du bruit si je fais ça? Apparemment non. Ok. Faut que j'aille. Ici. Oh. Il y avait un dormeur juste ici. La carte de sécurité, faut aller en haut en fait, apparemment. Ça va. Est-ce qu'on a quelque chose à craindre? J'ai bien envie de dire oui. Ok. Ah ok, l'endurance, l'endurance. C'est la barre blanche de vie qui nous reste, se recharge. Et c'est l'endurance. Arrêtez de bouger, j'imagine. Ah, c'est ça. Ok. Yes. Je me sens en sécurité. Yo, 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 yo. Mais du jeune là-bas. Just like we practiced at the hideout. Ok, exactement ce qu'on s'était entraîné. À la planque. Ok. Non. C'est en plus un platformer quoi. S'il vous plaît. Quasi de l'épargne. Attends, je suis exactement au bon endroit, nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Ok. Non. J'ai une bombe de mousse ou pas? Est-ce que je peux sauter sur lui? Oh, mais non, je peux pas sauter là. Je vais tomber, je vais mourir. Ne. Nine. Nom de Dieu. Est-ce que je peux atterrir sur quelqu'un? Est-ce que ça peut être moelleux? Est-ce que je peux faire le saut de la foi, tomber sur quelqu'un et appuyer sur LT. Façon John Cena. Ah là, c'est du sable. Hein. Ah bah non, mais j'ai un truc là. Non? Nom de Dieu. J'ai un rebord. Attention. J'ai quoi ici? Est-ce que j'ai de la mousse? Ok, là j'ai un petit rebord. Tout compte au niveau de la physique, hein, c'est oufissime. C'est oufissime. C'est vraiment. Aïe! Ok, je peux bouger. Ok, mais je. I'm gonna have to stop the bleeding. Je crois que j'ai une petite hémorragie. Mercy.
curse things in the dark. What if he thought what? Serrez-moi dans vos bras. The silence marks. Ok. Après, c'était pas flippant. Ok. On a quoi? Est-ce qu'on a du matos ici? Je ne sais pas. Rien. Mais va-t'en. Mais va-t'en. Non. Qu'est-ce qui se passe? Lâchez-moi. Lâchez-moi. J'ai rien. Lâchez-moi. Allez. Lâchez-moi. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que vous m'emmenez? Ne pas se faire remarquer autant que possible. Ok. Vraiment, être prudent à bien lire tout ce qu'on vous indique. S'échapper du labyrinthe. Fermez les yeux pour voir les traces. C'est ce que je fais. Échappez-vous par l'échelle. Très bien. Juste ici. Ok. J'avais pas les items demandés. Ok. Très bien. Ouais, j'avais bien lu le texte, mais je n'avais pas les items. Il y a plusieurs manières d'avancer. Il y a pas vraiment de fin. Les bandages servent à soigner les... Ok, prendre... Dans les sacs poubelles. Mais dans la panique, vous voyez, c'est, ça reste une réaction authentique. Ok. Ah non, ça continue par là-bas dans les yeux. Je me sens tellement mieux. Et ça en multi, imaginez ça en multi. Avec un groupe immersif. Dans les yeux. Oh. J'ai pas fait attention à les thèmes. Dormeur seulement, c'est probablement une très mauvaise idée, mais il va falloir un déguisement, trouve une salle où te changer. Non. Ok.
probablement l'ambiance Lovecraftienne la plus folle que j'ai vue en, en jeu vidéo. Même l'appel de Cthulhu n'était pas aussi poussé, quoi. Assez incroyable. Ça peut se jouer en, en coop, absolument. Faut voir qui est OP pour vraiment être dans l'immersion. Pas du tout, des monnettes. Ok. Faut aller vers les casiers, très bien. Oh non, on va voir porter ses vêtements. Dormeuse taille bizarre en approche. Et on est nombreux dans le chat à être comme ça. On rend bien l'ambiance cette fois. C'est vrai, tu l'as essayé? D'accord, très bien. Ah mais non, mais j'ai un casque du coup. Ok, j'ai ok, très bien. Comme je suis déguisé comme l'un d'entre eux, je ne vois rien d'autre que ceci parce que... parce que j'ai les éléments qui aveuglent la capuche. Et là, si ça se trouve, je traverse le vide, là, si ça se trouve. Mais non. Ce n'est pas du tout flippant. Oh. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors là, non. Qu'est-ce que ces croix? Me dites pas que... Non, me dites pas que c'est... Ah non. Non. Ok, on attend le pont. Nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Que ça? Ces croix, ces flèches. On les entend. À droite, à gauche. Tout autour. Oh, on est au milieu de... Ah, non! Isabella, don't struggle. Don't run. It's better if you move. Non! Oh, secours! Cours! Allez, cours plus vite. Ok. Fonce. Il arrive, il arrive. Ok, où est la sortie? Où est la sortie? Très bien. Merci Croco. Aïe 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 aïe. Ok. Où est-ce que je suis, nom des dieux? Est-ce que je suis? Eh bien. La vigueur est un bon choix de compétence. Ouais, c'est elle que vous voulez que je prenne à Noël. Qu'est-ce que c'est que ces choses, quoi? Qu'est-ce qu'ils ont envoyé? Parce que quoi? Parce que je l'ai prise en vidéo! Nom de Dieu. Ok. Ok. Où est-ce que je suis? De nouveau. Est-ce qu'il faut vraiment que je cours comme je le fais là? Petit objet. Ah ok, un crochet. Ok, il faut sortir du puits. Comment faire? Ok. Très bien, alors à mon avis, il faut retourner par là-bas, reprendre l'ascenseur. Mais ouais, il y a toutes ces cordes quoi de communication, c'est... C'est là, hein?
Voilà. Quand même. Pas tout à fait intuitif, mais un ou deux coups de main à saisir. Ok. Je crois qu'on a pris l'habitude. Je suis déjà dehors. Si oui, retrouve-nous à la planque. On allumera les lampes pour toi. Elle est toute proche à présent. Nom de Dieu. On est dehors. C'est incroyable. L'ambiance. L'ambiance est incroyable. Qu'est-ce que c'est ? Waouh. Toujours fait que Chine. Qu'est-ce que c'est que ça ? La planque. Vous êtes là ? Non ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Non. Non. Le twist. Whatever Bells reported was lost when it took her. Oh, le twist. And even if she's still alive... She is alive. And when we find her, she'll be so touched by your black armband, Gwen. I'm saying she'd want us to get proof of our own. Video evidence. Belle's acted alone because... Because we were too scared. This time, we do it together. They can't make us all disappear. Dax, I want to find her too. But unless we do more, like expose these guys, it'll just this town hates people without making a sound. Our shitty friendship is all we have. Speaking of, hey, you. You get the blackouts too, right? Well, that means you're in. Even though we supposedly investigate monsters and you eat like one. So, while we get more snacks, you pick a mission. That way, if we all die tonight, we'll blame you. Have fun. Don't worry. We'll be back soon.